Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la continuité de la présentation du recycleur de fumée, j'ai le plaisir de vous présenter le meuble pour le laser. Une grande réflexion à cette évolution qui permet un travail plus simple et mieux organisé. Je ne m'attarde pas sur le caisson lui-même puisque ce sont quatre planches assemblées vissées. J'ai dessiné plusieurs versions de cette installation jusqu'à motoriser l'axe Z. Après réflexion sur le projet, le coût pour cette réalisation était trop élevé. Une version manuelle est tout aussi rapide dans sa manipulation. Je débute le travail en fixant les deux planches qui vont recevoir le laser. Je continue par le caisson interne. Je débite quatre cales qui vont me permettre de le maintenir en place. Pour me faciliter la tâche, je commence à les positionner avec du double face, puis je les visse au meuble. Je me sers des cales pour réaliser l'assemblage des joues avec le fond afin de ne pas voir les vis. Par la suite, je retourne la structure. Pour permettre d'aspirer les fumées et pour une question d'esthétique, j'ai fait l'acquisition d'une bouche VMC de diamètre 80. Elle n'est pas obligatoire pour le fonctionnement du recycleur. Ensuite, pour avoir une bonne visibilité dans le caisson, sur la zone de travail, j'ai acheté un petit luminaire LED. Pour éviter tout mouvement de cette structure, je viens visser notre réalisation par le dessus et le dessous. Pour le réglage de l'axe Z, je débite des tasseaux. Pour faciliter la manipulation du plateau réglable, je chanfreine les bouts. Ensuite, à l'aide d'un double face, je viens présenter les tasseaux. Pour le réglage de l'écartement, je me sers d'une chute où j'ai ajouté un scotch noir de type Chatterton pour permettre un jeu fonctionnel. Une opération chronophage selon le nombre de tasseaux. En guise de poignée, je perce deux trous de 30 mm sur le plateau. Ces deux trous serviront également de circulation d'air dans le meuble. J'assemble le plateau à l'aide de double face, puis je viens visser l'ensemble.
Pour caler le laser dans son emplacement, tout en gardant la possibilité de l'enlever rapidement, j'utilise des bandes de contreplaqué de 5 mm. Ces bandes sont accolées sur le meuble. Pour me permettre un positionnement des pièces bien parallèle au déplacement du laser, et le plus simplement possible, j'ai gravé des carrés sur la zone totale de travail de la machine. Pendant les 2h40 de cette gravure, on s'aperçoit de l'importance d'enfermer cette machine et de recycler les fumées. Pour les découpes, j'ai cherché une solution pour fabriquer une grille. Au vu des prix pratiqués dans le commerce, j'ai fini par acheter celle-ci. De très bonne conception et en plus graduée, elle apporte un confort lors des découpes. Après avoir défini son emplacement sur le plateau, je viens la visser avec 4 vis. Grâce à cette conception, le changement de plateau comme le changement de hauteur se fait très rapidement. Il reste juste le réglage de focus selon la matière utilisée. Pour alimenter le recycleur, le laser et le luminaire, j'ai choisi d'ajouter un petit bouton afin d'alimenter une multiprise. Celui-ci m'apporte une sécurité de plus quand je quitte l'atelier. Avec une goulotte, je viens cacher le transformateur du laser ainsi que les câbles. Pour me connecter au laser de l'extérieur, j'installe un plug USB femelle-femelle. Une fois la prise connectée, je viens dissimuler les câbles sous la structure du laser. J'utilise 3 riselants pour le maintenir en place. Pour les portes du meuble, j'ai réalisé celle-ci à l'image des autres de l'atelier. Vous pouvez retrouver la vidéo que je vous mets ici. J'ai installé un plexi orange afin de ne plus être obligé de porter les lunettes dans l'atelier, tout en me laissant la visibilité sur l'avancement du travail. Pour recycler les fumées, je vous avais présenté ce recycleur de la société Vevor. Au passage, il est dommage que cette vidéo n'ait pas été vue, car je pense que c'est un appareil très important quand on utilise un graveur laser. De bonne conception et très silencieux, il permet un recyclage de 180 m3 d'air par heure, pour une consommation de 80 watts. Si vous êtes un utilisateur de ce type de machine, je vous invite vivement à regarder cette vidéo. C'est maintenant l'heure d'un premier test de découpe. Comme vous pouvez le constater, le plexi est efficace contre les flashs bleus du laser, et surtout la visibilité du travail. Grâce à la grille, la coupe est très propre. On va revenir dessus juste après.
En CNC, comme ici en laser, j'ai par habitude de commencer un travail toujours en bas à gauche. Je trouve ça plus simple. Pour améliorer le positionnement, je viens coller celui-ci sur le plateau. Grâce à ce système de plateau réglable, il est très facile maintenant de pouvoir graver des objets de plus grande taille. Faisons un test de différence lors de la découpe. Pour le premier cas, on pose la pièce à découper sur un martyr. Comme on peut le constater, le bois découpé est sale sur le contour de la découpe ainsi que sur le martyr. Faisons la même découpe mais sur la grille maintenant. Le résultat est complètement différent. La découpe est propre, car le faisceau comme la fumée a pu continuer sa course sans être bloqué contre le martyr. Une réalisation bien pratique pour l'usage de cette machine. Dans peu de temps, je vais vous parler d'un projet de casier de rangement numérique. Que j'ai le plaisir de partager la conception avec David de la chaîne de l'atelier de Smosy, un youtubeur rempli de connaissances en technologie et CNC. Une chaîne à ne pas louper. Nous avons développé ce concept chacun de notre côté en mettant en avant une approche différente. Un sujet à ne pas louper. Merci pour le visionnage et à très bientôt.